Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. 25e dimanche de l'année A, Saint Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16, parabole des ouvriers de la 11e heure. Le Seigneur dit ceci à ses disciples, « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. » La parabole va se dérouler du matin au soir, hein, de la première heure, c'est-à-dire 6 heures du matin, jusqu'à la 11e heure, c'est-à-dire 17 heures, 5 heures de l'après-midi. Origène et d'autres pères avec lui disent que cette journée représente toute la vie. Nous pouvons bien dire que toute cette vie n'est qu'un seul jour, jour d'une grande étendue par rapport à nous, mais d'une courte durée si on le compare à la vie de Dieu. Et quant à Saint Grégoire de Grand, le Grand, je lirai la citation un petit peu plus tard, pour lui c'est toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est bien plus que 24 heures ou que les heures ouvrables où on peut aller travailler la vigne. La vigne représente la terre que le Seigneur nous a donnée, les talents qu'il a donnés à chacun de nous, les charismes qu'il a donnés à chacun de nous, que nous sommes destinés à mettre en valeur, chacun à sa place. Dans le prophète Isaïe, au début du chapitre 5, il est dit « Mon bien-aimé a planté une vigne ». Et puis un petit peu plus loin, au verset 7, « La vigne du Seigneur de l'univers » c'est la maison d'Israël. On peut traduire, c'est aussi chacun de nous. Au chapitre 21 de Saint Matthieu, et dans les autres aussi, vous avez la parabole des vignerons homicides. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, etc. Donc, image courante pour parler de ce que nous sommes et de ce que Dieu attend de nous, porter du fruit à notre place. Pour la journée, le maître convient avec les travailleurs un denier. Il se mit d'accord pour un denier pour la journée et il les envoie dans sa vigne. Alors à propos du denier, ça va être le cas dans d'autres passages de la parole de Dieu, il faut se rappeler que le denier est frappé à l'effigie du roi ou de l'empereur. De même que nous, en nous est gravée l'image du Dieu vivant. Comme le dit par exemple Rachi de Troie. L'homme a été créé par les mains de Dieu, car il est dit au psaume 139, « Et tu as posé sur moi ta main ». L'homme a été fait au moyen d'un sceau, telle une monnaie qui est frappée par une marque que l'on appelle « coin » en vieux français. Cela t'explique que la même image qui a été préparée pour lui est l'image du modèle de son créateur. Un denier, c'est le cadeau que le Seigneur nous a fait en nous créant. On a été créé, frappé, gravé à son image. Donc avec tout ce qu'on avait pour vivre en communion avec lui et avec des mœurs divines. Voilà. Alors, donc voilà, chacun un denier, parfait. Je vous rappelle aussi l'histoire de l'impôt à César, Matthieu 22, 19, où il est écrit, Jésus leur dit « Montrez-moi la monnaie de l'impôt ». Il lui apporte un denier et Jésus leur dit, c'est qui l'icône, l'effigie, la gravure sur la pièce de monnaie? Ils lui disent, de César. Alors Jésus dit, écoutez, ce qui vient de César, retour à César. Mais ce qui vient de Dieu, retour à Dieu. Égal, convertissez-vous à Dieu, vous avez été créé à son image et à ses ressemblances. Même chose avec l'histoire de la drachme perdue. Vous savez, cette magnifique parabole, ces deux magnifiques paraboles dans Saint Luc, où vous avez d'abord la parabole de la brebis perdue et tout de suite après la parabole de la drachme. Alors drachme et denier, c'est l'équivalent. Denier, c'est du latin et drachme, c'est du grec, mais ça correspond à la même chose. Donc je lis Luc 15, 8. Ou encore, si une femme a 10 pièces, non, a 10 drachmes, et si elle en perd une, elle allume la lampe, balaye sa maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle l'a trouvée, elle dit « Réjouissez-moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. J'ai trouvé mon image qui s'était perdue et je la récupère, je la reprends pour qu'elle m'appartienne. » Voilà. Donc ce denier, c'est bien plus qu'un salaire fixé pour une journée. C'est le don de Dieu, c'est bien plus qu'un salaire. Voilà. Alors, le Seigneur continue,
Il leur dit, donc la 9h du matin, hein, il en voit d'autres qui sont là, hein, c'est-à-dire la troisième heure. Et il leur dit, allez à ma vigne vous aussi. Et là, il précise plus le montant du salaire. Il leur dit, je vous donnerai ce qui est juste. Et à la fin du texte, il va dire, je ne suis pas injuste. Alors, donner ce qui est juste, quand c'est Dieu qui parle, c'est tout sauf donner la même chose à tout le monde. C'est exactement le contraire. Ça veut dire, je donne à chacun ce qu'il peut recevoir et ce dont il a besoin pour être vraiment lui-même, vraiment heureux, vraiment dans sa vocation telle que je la lui ai confiée. Donc évidemment, ce denier représente l'ajustement de Dieu à chacun de nous. Dieu qui s'ajuste à chacun de nous en donnant exactement ce dont on a besoin. Vous avez bien sûr l'image très connue de la manne. La manne dont il est écrit au chapitre 16 de l'Exode, au verset 16. « Recueillez-en autant que chacun peut en manger, une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le nombre d'habitants de sa tente. » Et puis un petit peu plus loin, au verset 18. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Relecture du livre de la Sagesse, hein, qu'on connaît bien. Tu donnais à ton peuple une nourriture d'ange, tu envoyais du ciel un pain tout préparé, obtenu sans effort, un pain aux multiples saveurs qui comblait tous les goûts. Substance qui révélait ta douceur envers tes enfants, qui servait le désir de chacun et s'accordait à ses vœux. D'ailleurs, c'est traduit « elle se changeait en ce que chacun voulait ». Donc c'est ça la justice de Dieu, il s'ajuste à chacun. Chacun va recevoir un denier, mais pour aucun ça sera le même denier, si on peut dire. Vous avez dans le psaume 21, par exemple, où il est question qui se termine avec la justice de Dieu. On proclamera, 21-32, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Quelle est l'œuvre du Seigneur? C'est juste avant, psaume 21, verset 25. Il n'a pas rejeté ni réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé sa face devant lui, mais il entend sa plainte. Ou encore, les pauvres mangeront et seront rassasiés. La justice de Dieu, c'est de s'ajuster à tous, et en particulier aux petits et aux pauvres. Voilà. Dieu est juste et il va donner à chacun selon sa grâce. Ça, c'est la relecture de Saint Pierre, relecture de notre vocation, dans un très beau texte de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 10, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Ça veut dire exactement la même chose tout ça. « La grâce de Dieu qui est si diverse. » Et je laisserai la conclusion à saint Augustin qui dit ceci, « Ne t'embrouille pas dans des calculs, mais suis l'appel de la grâce. » Oh là, ça c'est magnifique. Va pas savoir, il a eu plus, j'ai eu moins, etc. Non. Ne t'embrouille pas dans des calculs, mais suis l'appel de la grâce. Donc la justice de Dieu, sa grâce, donne exactement ce que nous avons besoin de recevoir. Alors le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire. » Là encore, la Bible nous dit qu'est-ce que ça veut dire le salaire que Dieu nous apporte. On a en particulier dans le livre de la Sagesse, au chapitre 2, au verset 23, alors il s'agit des gens qui s'égarent, hein, des méchants d'une certaine manière. « Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. » Il n'estime pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Et le verset suivant, « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre nature. » Voilà. Le denier, c'est la vie éternelle, c'est l'immortalité. Voilà. On a été créé pour l'incorruptibilité. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est vivre éternellement avec lui et être plongé dans sa tendresse, hein, comme il est dit encore dans le prophète Isaïe, au chapitre 40, au verset 11. « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout.
Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son salaire. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent, etc. Vous voyez, c'est ça, le salaire, c'est la vie avec Dieu, c'est être plongé dans la tendresse de Dieu éternellement. Donc voilà, on distribue le salaire. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'un denier. Voilà, chacun. Ce qui compte, c'est chacun a reçu son denier. Le Seigneur est traité d'injuste. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été lésés, que ceux qui ont moins travaillé, finalement, ils n'avaient pas besoin de recevoir à la limite quoi que ce soit. C'est ce que dit Saint Jérôme. Le denier porte l'effigie du roi. Vous avez donc reçu le salaire que je vous avais promis, c'est-à-dire mon image et ma ressemblance. Que demandez-vous de plus? Ce que vous désirez, ce n'est pas de recevoir davantage, c'est que l'autre ne reçoive rien du tout. Voilà, ça, à méditer, ça, la jalousie. Comme si Dieu ne pouvait pas combler chacun à sa mesure sans que personne ne soit lésé. C'est un péché contre la foi en l'amour du Seigneur. Alors, je vais terminer avec Saint Grégoire le Grand, hein, qui dit ceci. Les ouvriers qui n'avaient travaillé qu'à la 11e heure reçurent pour salaire, comme ceux qui avaient commencé à la première heure, le même denier qu'ils avaient ardemment désiré. Parce qu'en effet, ceux qui se sont convertis à Dieu à la fin du monde, voyez, pour lui, la journée, c'est toute l'histoire du monde. Ceux qui se sont convertis à Dieu à la fin du monde ont reçu la même récompense, la même vie éternelle que ceux qui avaient été appelés dès le commencement du monde. Ce denier, il est pour chacun. Le Seigneur veut absolument que chacun retrouve l'image et la ressemblance pour entrer dans la vision béatifique. Et c'est ce que cette parabole nous enseigne. Sœur Claire, merci.